J'ai pas mal d'activité à cette heure-ci. Salut tout le monde. Ça grouille surtout du côté FM, j'ai l'impression. J'ai un petit peu de mal à sortir. En FM, quand la propague n'est pas très très forte, c'est dégueulasse. Voilà. À moins que... Alors j'entends autant en USB qu'en LSB. C'est pas en AM. Et là c'est dégueulasse. Bon, là c'est pas ouvert. Ah oui, c'est pas ouvert de ce côté-là. Hop. QTH, please. Bon. Oh, ça marche bien. Ah ben, j'ai parlé à l'oiseau, mais lui, comme tu m'as dit, j'étais au bout de la 440. J'arriverai pas à passer l'aperçu. Les 73, les stations du Québec, de la 9, de 14 km, 33-01, Rémi, Dundee, 33, sur le sud-ouest de France. Et j'entends des bips derrière. Oui, pendant que j'étais en train de parler, j'entendais des bips sur le web SDR d'Ottawa que j'ai en parallèle. Tout ça retourné ainsi qu'à... Ah bah ça y est, j'ai zappé son prénom, je l'ai entendu là pourtant. Oh bah zut! Oh, cette mémoire de poisson rouge! Au secours! Ah bah zut, qui était en train de te parler à l'instant? J'ai entendu son prénom et... Oh bah merde, bon désolé, mes excuses à lui, mais les 73 certains, les 73 51 retournés également, et jolie la photo sous la neige. Ouais, c'est un nouveau, c'est un mais pas beaucoup, là.
Ouais, je la reçois, mais il est loin, Paul. Normal. Oui, c'est un peu normal. Il y a quand même 2-3 kilomètres entre nous. Oui, oui, affirmatif. J'ai répondu, c'est normal qu'ils m'entendent de loin. Il y a quand même 2 ou 3 kilomètres de distance entre nous. Ah, chie trois coups. Ah, j'entends quelqu'un derrière. Oui, 73 André de Rémy, voilà Sud-Ouest France. Il fait comment? Ok, il y a quelqu'un. Alors je vais essayer de montrer. C'est hallucinant la neige qui est tombée là. Son poste commence à chauffer un petit peu, il navigue un peu en fréquence.
ça aussi, ça aussi, côté ici, Oui, c'est l'IMAX 2000. Oui, je le vois quand même de, dans des bonnes conditions. Il y a des moments où que, ça tire un peu, mais il y a beaucoup. Écoute, Charlie, je vais voir si vraiment, la station en ligne est un peu santé, puis en train d'aller. Oui, j'ai une salutation, la station de Chef-Sat. Et opérateur André, côté Montréal. Après, ça dure, moi, franchement, avec une. Whoop, il y a de la vache folle. Et les mecs sur Facebook, vos conneries de complotistes et de conneries comme ça, ça m'intéresse pas. Hein. J'ai mis à faire la Sibie par exemple. Hop, désolé. Hop là, c'est passé QRP là. J'ai entendu la station très QRP là sur le web SDR, mais pas en direct. Quoique, attends, je dis ça, mais je faisais autre chose en même temps. Et moi, faire deux choses en même temps, ça réussit pas trop. Oh putain, c'est vrai. Attends, il faudrait que la station revienne, reprenne le micro là pour voir ce que ça donne de mon côté. Oui, j'ai entendu en direct, c'est très très QRP de mon côté. Ah, dans le web SDR aussi ça passe. Les 113-51 de 14 km 33-01 Rémi sur le département de la Gironde, sud-ouest de France. Si, là on l'entend un peu à droite. Bon, c'est bien histoire de dire qu'on l'entend. Thank you.
rien à faire parce que le signal n'est pas du tout généreux de mon côté, mon ami. Son poste est encore un peu plus chaud, ou alors il a touché ce qu'il fallait pas. Arrête de toucher les boutons. Bon, comme vous avez vu là au début de la vidéo, bah, dès le matin de bonne heure, hein, comme ça, ça attaque déjà au niveau propag. Hein. Et après ce petit bout de vidéo, c'est parti sur la Réunion, et puis ainsi de suite. Toi, j'ai une question à te poser. Je crois que j'ai découvert. Voilà. Je vais lui poser la question pourquoi. Parce qu'il habite à côté du parc. Il n'est pas dans le parc, il est à côté du parc. Mais j'ai une question à lui poser. J'ai creusé un petit peu. J'ai vu certains trucs au niveau de ce parc. Là, il y a un dossier. Là. Et ce dossier que je vais lancer, c'est un rapport avec la photo là, que vous avez vue au début de la vidéo. Si, c'est gratuit. Bravo, Charlie. Alors pour ceux qui n'ont pas vu sa vidéo d'hier, elle dure 3 heures quelque chose. Hein. Si vous avez besoin de mettre des écouteurs et tout pour vous endormir, vous allez vous faire plaisir avec. 3 heures et quelques de vidéo, c'est costaud. Hein. J'entends quelque chose, mais c'est trop QRP là. Et aucune trace sur le web SDR. Alors, des fois, il y en a qui me disent « Comment tu fais pour entendre quelque chose ? J'ai beau repasser la vidéo, ainsi de suite, et moi, j'entends rien. » Il y en a qui me disent ça. Mais lui, il me bat. Et il sort des indicatifs. J'ai beau réécouter des passages de vidéo, pour moi, c'est du blanc. Et il sort un indicatif là-dedans. Il le sort du chapeau blanc, ça, c'est sûr. Mais il le sort quand même. J'hallucine. Alors quand il va avoir là dans on est le 26 hein. Ouais je vise là. Ouais on est le 26 hein. Là début février sera plus simple. Il va recevoir un filtre de BHI DSP 1031. Il va être hallucinant dès qu'il va le maîtriser, je sens ça. Ah, pour l'instant, la solution de filtre qu'il a trouvé, c'est de poser à plat le haut-parleur sur une mousse. Ah, évidemment, ça étouffe les bruits aigus. Il y a aussi la solution d'ajouter un petit condensateur dedans. C'est ce que j'ai fait justement là dans le mien. Ouais. Dans le haut-parleur là qu'il a à droite. Ah mais j'y pense.
Ah, j'ai dû le ranger ailleurs. Il m'en restait un, justement. Bon, les infos sont sur le forum, la planète Sibu francophone, dans les bidouilles et accessoires. Non, mais je vais juste écouter, là, ça commence à rentrer, mais moi, j'ai un peu plus de misère que vous autres, parce que j'ai juste à rentrer à peu près là, avec ma chaleur, là, avec ton appartement, là. Donc, il y a bien des contacts, là, lui, il est venu, il était pas du tout, mais de temps en temps, je le perdais, là. C'est normal, c'est quoi, c'est des conditions? C'est pas ton affaire, les conditions sont comme ça, hein. C'est pareil. Ouais, j'ai parlé en Alaska, là. C'est la première fois que je passais là-bas, là. Et c'est bon contact, c'est assez loin. Ben oui, c'est bon, ça. C'est bon. 14h40. Tous ces contacts que je fais au loin, j'ai marqué sur mon téléphone. De même, je sais c'est où que j'ai parlé. Et quand je suis capable d'avoir le nom du jour, ben, je le marque. Ah ben oui, puis à force de parler avec les mêmes personnes, il m'a tourné que ça ramène tout de même ton téléphone pour les collègues. Ouais, c'est ça. Bonjour, les petits jeunes. Bonjour. Chez 14, hôtel, Delta, Saint-Marc-de-Trois, Bernard, la région de Bordeaux, sud-ouest de France, et nous saluons tous les deux. Departement 51, ça doit être la Franco, département Franco, dans l'Armolé, qui finit à faire un mot dans les 555, ville sur le Québec du Canada. Et puis, il y a Henri, qui est en piéton avec moi. Puis, il y a d'autres stations aussi, Louis-Henri, qui est derrière la porte. Il y a beaucoup de stations, mon ami, Hôtel Delta, si j'ai bien noté, 133, c'est bien ça? Oui, parfaitement. Ça augmente du côté Québec. Il est en gros à 30 km de chez Gilles.
que je ne sais pas trop la référence, tu pouvais presque le degré positif et pas l'équipe privée. La lumière, ça fait un peu éclairé, mais c'est pas terrible. Mais le pari ne peut pas. Hein. Voilà. 7 degrés pour chez nous. Que 7, et plus moi du côté de Saint-Émilion, les 73. Allez, passe en direct. Et 73 de Rémi du côté de Saint-Émilion. Oui,
Ouais, Gilles, je l'ai entendu en direct, très très QRP de mon côté. Je crois que c'est la frontière franco-belge ou de ce côté-là. Les 73 51 retournés, 14 km, 33 01 Rémi. Gilles, quand tu m'entendras un petit peu mieux là, j'aurai une question à te poser. Oh, je sens qu'il y a du dossier là-dessous. Hachis trois coups. Ouais, j'ai un du fameux groupe que je ne citerai pas pour pas leur faire de la pub, là, qui s'amuse à faire des porteuses. C'est vachement malin, ça. À faire ça, c'est sûr qu'on n'ira jamais de leur groupe. Alors, c'est 530. 530 pour la fréquence du QSY de l'OM. Petite histoire, la porteuse, ça vient d'un club que je ne citerai pas, qui depuis peu a décrété que c'était leur fréquence. Et du coup, eux, les talents du Québec, ils sont là depuis le précédent cycle de propague, ils y sont tous les jours. Donc, ça fait une bonne dizaine d'années, même un peu plus, hein, précédent cycle de propague, le calcul est vite fait. Et ils ont décrété que c'était à eux de dégager. Là, l'esprit OM chez nous en France, là, ça laisse à désirer. Ça, c'est un message d'une station qui est derrière la porte. Bon, côté aérien, il n'est pas du mieux installé. Ah, c'est pas évident. Ah, c'est pas évident de ce côté. Depuis pas longtemps, je sais qu'on peut envoyer des vidéos par SMS. Alors, comme je suis pas sûr que je vais arriver à lui poser la question, alors je vais le faire comme ça hors micro, au cas où j'arriverai pas à lui poser la question, parce que là, vu comment c'est parti, ça promet. Ouais, ça promet. Alors, j'ai remarqué un truc, c'est que à chaque fois, il dit le parc de Oka. C'est sûr, il habite juste à côté. Mais si on creuse un petit peu, il n'est pas dans le parc. Il est à côté. Alors, j'ai écouté quelques vidéos de ça, là, tac, et tout ça. Je suis tombé sur une. Là, ce matin, j'en ai écouté une autre, là. J'ai cherché un peu sur Google.
Et je me suis rendu compte que sur les abords du parc, il y a les camps de naturistes. Alors, la blagounette que j'ai envie de lui faire, c'est de lui poser la question, est-ce que des fois, quand il cite le parc de Oka, c'est pas justement en rapport avec, avec les naturistes? C'est... Il y a du dossier, là. Ça demande à creuser, là. Et là, il y en a qui... Voilà. Toujours le même club, là, le même groupe qui cherche à nous faire faire QRT. Bon, c'est qui c'est un Français, là, en plus, qui fait le con. On l'a eu une fois en fréquence. Il est venu nous insulter, quoi. Pas très malin. En tout cas, là, ça montre le vide cérébral de Stoem, là, de, qui se proclame à une haute place en plus de ce groupe. Alors qu'il y a des chances qu'il n'ait rien du tout. Ah là là. Bon, ça met un peu de folklore dans le cul et dans le QRM. Oui aussi, oui. Dans le cuisseau. Mais il bloque en rien Gilles en plus. Hein. Ok, je saute sur l'occasion, Gilles, pour te poser une question. J'ai remarqué bien souvent, tu dis que tu cites le parc de Oka. Mais de toi à moi, on sait très bien que tu n'es pas dans le parc, mais à côté du parc. Alors, j'ai creusé un petit peu sur Internet et j'ai découvert ce qui s'y passe dans le parc. Je dis ça, je dis rien. Gilles, as-tu quelque chose à avouer? Pourquoi à chaque fois tu cites le parc de Oka? Hachi trois coups! Ouais, ouais, QSL, malgré l'autre abruti, là, on sait qui c'est, là, le français, là, qu'on a eu, là, qui aime bien insulter, là, qui fait le con, j'ai eu QSL quand même. Mais tu vois, j'ai creusé, là, de mon côté, et j'ai découvert de ce qui s'y passe sur le parc de Oka. Il y a des groupes naturistes sur le parc de Oka. Alors, des fois, ça serait pas pour les groupes naturistes que à chaque fois tu cites le parc de Oka. Oui, là, 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 ta femme écoute les vidéos, quand elle va tomber là-dessus, ouais, aïe, 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 j'aimerais pas être à ta place. Ah, chie trois coups. Je suis toujours là derrière, mais un peu compliqué de mon côté. Toi, ça me fait penser un petit peu à ces... je reste poli, qui font les cons là sur Internet. Ils sont derrière leur ordinateur, comme là, ils sont derrière leur poste. Et puis, ils sont tranquilles. Ils se sentent intouchables. C'est... Enfin bon, bref. Allez, on va pas le rendre plus intéressant qu'il l'est con, quoi. Non, je l'entends pas du tout. Hein. Ben non, je risquais pas de l'entendre en plus hein, avec l'autre abruti là qui fait le con. Thank you.
Oh, il y a une raison pour laquelle je ne veux pas citer enfin, même deux raisons pour lesquelles je ne veux pas citer le nom du groupe là, qui fait le con. Ben, déjà, ce serait de la délation. Et puis, pourquoi faire de la pub pour un groupe dont l'un des. Comment dire. Des protagonistes. Je ne suis même pas sûr d'utiliser le bon mot. Fait le con à fond. Donc voilà pourquoi je ne citerai même pas le nom de ce groupe. C'est quoi ces transmissions? On dirait de la transmission informatique. Je reconnais pas la SSTV. Je sais pas ce que c'est. Hein. Denis ou Rémi? Ça devait être Denis alors. D'après ce que j'ai compris dans le QSO précédent, il y a aussi la Louisiane qui vient se mettre sous cette fréquence, mais en AM. Là, il y a un truc qui m'échappe. Je ne sais pas, quitte à faire de l'AM, je vais du côté des 40 canaux, tout comme pour faire de la FM. Même si, peu importe le mode. Mais bon, bref, je ne sais pas, histoire de ne pas déranger le DX. Le DX BLU, je veux dire. Il y a une question de bon sens qui m'échappe. Louis. L'intérieur du micro. Vu le nombre de soudures, il y a du monde dedans. Et là, c'est le réglage pré-ampli et délai. Pré-ampli, délai écho. Le volume de l'écho, c'est le curseur qui est devant. Oh, que je me dépêche avant qu'il me repasse le micro. Voilà, c'est un vieux pan ECM 2018. Donc là, le réglage de l'écho, là, ici devant. Du volume de l'écho ici devant. Et du coup, derrière, eh bien, j'ai fait un petit trou
pour régler le préampli. Sans avoir besoin à chaque fois d'ouvrir le micro. Bon, de toute façon, une fois que le réglage il est fait, il est fait. Hein. Alors, petite LED. Tac, voilà. Oh, il y a du monde en AM là qui commence à passer bien fort. C'est la Louisiane, hein, c'est ça qui passe là. Ouais, QSL. Oh là, c'est compliqué là. Là, c'est compliqué là pour entendre. Et dire qu'il y en a qui disent que la M, c'est pas fait pour le DX, ça porte pas loin. Mais pourtant. Pourtant qu'à la propaganda, hein, c'est pour tous les modes. Hé hein. Hey, Gilles. Dans mes recherches justement sur le parc de Oka, le truc que j'ai découvert, parce que je suis pas sûr tout à l'heure, là ça a été la cacophonie, là c'était le merdier total, j'ai découvert qu'il y avait des camps de naturistes quand même sur le parc de Oka. Je sais pourquoi maintenant tu aimes tant le parc de Oka. Ah, chie trois coups. Ah, d'un seul coup, t'entends pas bien sur ta radio quand je parle de ça. Hey, quand tu es à la radio, oublie pas d'enlever la bouteille de crème de whisky que t'as juste à droite du poste. T'as pas vu là sur la vidéo précédente, là sur le tout début de la vidéo précédente, on la voit bien la bouteille. Oui, QSL. Ah ça, en tout cas, vu ce que c'est comme bouteille, il vaut mieux pas l'envoyer par la poste. Parce que c'est sûr qu'elle n'arrivera jamais. Alors je sais pas, il faudra que je regarde si on en a si on en trouve chez nous. Mais ça me dit rien, hein, ça me parle pas du tout. Ou alors peut-être dans des boutiques spécialisées, je sais pas. Faudra que je regarde ça. Et les mecs, ils se tapent leur QSO comme ça, l'air de rien. Bah.
Alors, si j'ai bien compris, mais la fréquence de des tannants là au Québec, elle est aussi jalousée que ça. C'est bien contest là que je. Bon, je comprends rien à l'anglais, mais j'entends le mot contest. C'est bien ça. C'est un contest là qui vient de s'installer sur la fréquence des tannants. Tout comme l'autre club, bah tiens, les fouteurs de merde là qu'on entend là, qui sont venus aussi s'installer sur la fréquence des tannants. Waouh! Eh bien, on dit chez nous que pour voir si quelque chose fonctionne, on le voit au nombre de jaloux qu'il y a. Là, ça fonctionne un peu trop, là, pour le coup. On se croirait sur le 555. Même sur le canal 19, c'est pas comme ça. Non, pas le 555. Sur le 27025, autrement dit, le canal 6. Sauf qu'eux, ils sont en AM. Mais ça pulse, hein. C'est peut-être le moment d'aller y faire un petit tour. Tac, je coupe là. Ouais, c'est du pareil eux-mêmes. Les mecs, ils se croient ici, quoi. Allez, que je remonte. Mais c'est quoi ce bordel là-dessus, quoi? Gilles, mais y bon ordre, montre qui c'est l'homme ici, quoi. Les mecs, ils se comportent comme des gonzesses, là, sans déconner, quoi. Ah oui, 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 justement, je viens d'aller faire un petit tour sur le canal 6, 27025. Eh bien, c'est le même bazar. Alors, ils sont en train de reproduire ici ce qui se passe sur le canal 6. C'est curieux, hein. En tout cas, comme je disais l'autre jour, je vois chez nous en France, pour voir si quelque chose fonctionne, faut voir un petit peu le nombre de jaloux qu'il y a. Ah ben alors là c'est quelque chose. Là, c'est sûr que là, pour le coup, ça fonctionne beaucoup trop ici. Aujourd'hui, on peut compter, 80% de jaloux et le restant de stations QRO là, qui arrivent de partout. Tu vois ce mec, ouais, il sera en face de nous. T'inquiète pas qu'il ferait pas le malin comme ça. C'est là, non, il s'abstiendrait vite, il partirait même en courant là. Oh!
Attention, le nord de France ou la Bretagne? Pour le groupe des Tannants qui vous appelle. T'as vu, il passe bien. Oh oui, et puis là, vu son micro, là, c'est sûr que c'est lui, il n'y a pas de problème. Wow, Santiago 7 de mon côté, Gilles. Santiago 7. Oui, PSL, ben, ça commence à monter, là, ça commence à monter, là. Ouais, et la moutarde avec, Hachi. Allez, celle qui monte au nez. Tiens, on va aller voir les naturistes qu'il y a dans le parc de Oka. Ah, j'aime le Québec. J'aime le parc de Oka. Donc c'est sûr que là, maintenant que j'ai vu ça là, sur Internet, à chaque fois que tu as prononcé le parc de Oka, moi dans ma tête, ça va faire naturiste. Hachi. D'accord, ok. Mais bon, là, tu verras là au début de cette vidéo, là, l'image que tout au début. Je suis sûr que ça va t'interpeller là sur le coup. C'est tu vas vite comprendre pourquoi je t'ai amené la discussion justement sur ce qui s'y passe sur le parc de Oka. Pas mal d'image au début, hein. On voit le côté face. Je préférerais voir le côté pile, mais après. Voir le côté pile, ça serait des coups à ce que je me fasse supprimer la vidéo. Affirmatif que ça passe bien de mon côté. C'est du téléphone. Même le téléphone ne passerait pas aussi bien. Merci à toi. Hop là, une YL francophone là qui passe. Oh, 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 Gilles, allez pour toi. Demande-lui si c'est une naturiste du parc de Oka. Bon, je vais arrêter mes conneries avec ça. L'autre, il est mort. Il est mort. Il est mort de rire. Enregistrez le break YL. C'est bien toi.
Oh. Zut, quel côté? Oui, je m'appelle Zut. Thierry, je te retourne le micro, 73, 51, mon ami. J'espère que tout va bien de ton côté, Thierry. Ah, c'est trop QRP pour moi. On est rendu à moins 10 degrés, nous, ici, sur le Québec. Moins 10 degrés, pendant la nuit, aller jusqu'à ce matin, à 6 heures environ ce matin, on avait entre 25 à 30 cm à certains endroits déjà tombés au sol. Vous avez vu la photo un peu là tout à l'heure? Ça continue à tomber encore ici. Il arrive des deux côtés, mais petit. Non, j'aurais pas mieux. Je l'ai en direct. Hein. Et là, j'entends quelqu'un qui me répond à gauche sur le web SDR. Je n'ai même pas démarré la vidéo. Ah!
de quel côté, là? Pour le plaisir, Thierry, mon ami, comme d'habitude, hein. Tu te balades en fréquence, Gilles. Bye bye de Rémi sur le sud-ouest de France. Ok, c'est du 57 de mon côté, 58 de mon côté, ça passe très très fort, les 73-51, et amuse-toi bien dehors. Allez, merci Rémi, bonne journée. Merci, toi aussi. 15h30 de notre côté, 6h de moins, et bien 9h30 du leur. Eh oui, chez eux, tous les jours, la déneigeuse passe. Du coup, on voit tous les paquets de neige sur les côtés, forcément. Et eux, pour partir travailler, eh bien, ils n'ont plus qu'à remonter les manches. Oui, monsieur. Thank you.
Oh, y a pas de problème, y'a pas de problème, Bernard, mon ami. On va avoir des meilleures occasions, là, puis la propagation, parce que c'est juste de discuter, là. L'année prochaine, ça va être encore plus, là, pour encore plus mieux, là, l'année d'après, là, y'a pas de souci. On a toujours une façon de limiter ton chiffre, Bernard, le CSL. Il passe toujours de mon côté. Ah oui, oui, il passe toujours, hein, il m'arrive avec un signal de 1, mais je l'entends bien encore ici, là, sur le sud-ouest de France, là, à côté de Saint-Émilion. Hein. Comme quoi, ça, quand la propague est là, elle est là. Puis là, j'ai le retour en même temps de moi, là, dans le voie Bestière d'Ottawa. Là, ça passe bien, hein, ça pousse. Hein. Oui, oui. Ah ben j'ai parlé trop vite moi. Eh zut, dommage hein. Je ne sais pas si c'est d'accord, si c'est un rendement. J'ai pas bien noté la suite du Pierre-Vette pour 9, Bravo Charlie 555. La Parisienne, c'est noté. Et puis Patrick aussi, c'est noté. 14, c'est un rendement de quoi pour le Pierre-Vette pour vivre sur le Québec. Oui, j'ai entendu dans le mauvais désir. Merci, mon ami. J'ai dû
le sud-ouest de France, il y a une situation comme moi qui arrive, hein, puis des fois on vient qu'on se mélange le nord-ouest de France, c'est parce que c'est un pour faire l'Orient. C'est... Là-dedans, lui, il comprend tout. J'hallucine. Ah, ça passe un petit peu mieux. Tout s'est retourné. À bientôt, mon ami. À bientôt. Bon, bientôt. Bonne journée. Bonne fin de journée pour toi. Quand c'est la même station de la Parisienne, là, j'ai mis en fin de bas. Ça fait que c'est oublié, mon ami. La Parisienne, là, là. Il arrive des deux côtés. Vous avez remarqué, il dit plus le parc de Oka. Excellent. Et puis, la santé, c'est le deuxième.
Pas évident de suivre DocuSO. Pas de mon côté. Ouais, je disais pas de mon côté, mais j'hallucine quand je vois toutes les stations que tu entends. J'ai pourtant deux grandes oreilles là, bien ouvertes. Mais et je m'entends en plus dans le web SDR. Mais quand je vois le nombre de stations à qui tu réponds et tout ça, je rêve. Alors je me dis, qu'est-ce que ce sera après quand tu auras le filtre DSP? C'est... Parce que tiens, par exemple, hier, je t'ai vu, là, j'ai écouté dans la vidéo, il y a des passages où pour moi c'était des blancs. Et tu me sortais des indicatifs de là-dedans et tout, je sais pas comment tu fais, sans déconner. Je sais pas comment tu fais. C'est une vraie machine à écouter, hein. Les 73-51 à la station, ça m'arrive très QRP là ici sur le département de la Gironde. Mais ça m'arrive en direct et via le web SDR d'Ottawa, mais QRP là des deux côtés. Donc les 73-51 retournés. Je sais plus où je suis là. Ok pour la frontière franco-belge, il n'y a pas de problème, tout ça a retourné. Là ça m'est passé là sur le web SDR. Là j'étais mieux entendu là de ce côté-ci, quoi. Comme quoi il faut aller au loin pour entendre ce qui est plus près.
auditeurs pas entendu le département 5h10, Claude Gendrella. Bon Dieu, fort couvert, mon ami. Comment on veut? Oh, la propague est en train de faire la girouette.
Il y a quelqu'un d'autre derrière. Et là aussi. Et une YL. Affirmatif, c'est passé des deux côtés là, c'est passé aussi bien sur le web SDR que en direct. Par contre, je viens de voir, j'ai l'XYL, j'ai Fabienne là qui est en train d'arriver. Ça va être l'heure du 4 heures, du goûter pour les enfants, c'est-à-dire nous. Je vais passer en QSY, je reviens tout à l'heure. Ah, pardon, pardon, pardon. QRT, et je reviens tout à l'heure. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Rémi, il est bon 73-51. Tantôt, si dame Prophète nous permet bien, Rémi. Ah, le temps de manger un bon petit gâteau, et puis je reviens après, hein. Donc, puis là, je vais mettre la caméra à charger, parce que je vois, bon, c'est quand même pas mal baissé. Là aussi, je vais me lamenter sur la durée de la vidéo. À tout à l'heure. Oui, moi, j'en prends un rêve, tout le monde dit, de se laisser tout au long de la caméra branchée là, sur l'alimentation. Ah ben, tu m'étonnes, c'est quand même mieux comme ça. Allez, à tout à l'heure. À bientôt. Attention Gilles, Rémi de retour. Ah. Attention 9, bravo Charlie 555 pour Rémi 14 km 33-01. Toi, t'allais te préparer un café whisky. Oh oui, ça marche. Et ton double bip, je le connais quand même. double bip et deux tons en plus. Thank you.
Ouais, non, mais attends, hey. Marc, t'as raison de mettre un comme ça, au moins on sait quand tu relâches le micro, quand ça passe QRP. Hein. Oui, mais moi j'aime bien ça, hein. Ça détermine la fin du réseau, hein. Puis c'est plus facile à déterminer quand il y a beaucoup, beaucoup de stations. Alors, pour savoir quand la station a terminé son réseau, elle est excitée derrière. Ah oui, c'est vrai que d'autres stations, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque fois, ils disent retour micro, déjà ça va bien 5 minutes. Et puis quand c'est QRP, eh bien, retour micro, on n'entend pas mieux que le reste. Alors que le Roger Beep, lui, claque derrière, on sait quand tu relâches le micro. Quoi. Comme moi, pareil. Quand on tourne le micro, on tourne le micro, on tourne le micro, c'est pour ça que le câble avec le micro vient tout tourner. Si, j'étais en train de regarder un réglage. Et quand je suis dedans, je peux pas appuyer sur la pédale du micro. Voilà, non, mais je regardais si c'est après coup que je me suis dit, mais si quelconque, j'ai déjà vérifié. Moi, tu vois, sur mon poste, ça s'appelle pas Roger Beep, mais Standby Beep. Bon, le résultat est le même. Hein. Oui, c'est 59 plus 10, ça m'en a ici, 9. La vache, je me suis fait griller, quoi. Putain, et hey, toi, Marc, tu m'arrives à 59, hein, quand même. Hein. C'est l'air de rien, c'est du 59 ici. Hein. Oui, tu es, on chauffe la boîte, on chauffe la boîte. Ah, 57, là. Ouais, mais j'ai l'impression que toi, ton hertzmètre que t'as de poser dessus, là, sur la tablette, hein, il est un peu généreux, quand même. Hein. Affirmatif. Il est aussi généreux que toi, quoi. Non, parce qu'il y a des stations là, que j'entends, parce qu'il est très, très difficile à ressortir, je viens à bout de l'entendre, puis il n'y a pas de signal. Il n'y a aucun signal. Alors, si j'entendrais pas la station, ou presque pas, puis j'aurais un gros signal, j'aurais des questions à poser, mais là, il n'y a pas de signal, puis il y a de l'audio. Parce que là, toi, ben, tu captes le bruit fort, hein, le bruit fort est capté avec le signal que tu m'apportes du 59 plus, alors il n'y a pas beaucoup de bruit fort dans le bio, là. Ok, d'accord. J'ai remarqué un truc, là, dans le montage des vidéos, c'est que ton S-metteur, en fin de compte, il remplace complètement celui du poste, qui lui reste à zéro. Oui, sur ton poste, le S-metteur du poste, il reste à zéro. C'est, du coup, c'est l'autre qui a complètement pris la place. Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien ce que j'ai remarqué, hein. C'est le S-metteur externe annule celui de qui est au niveau du poste. Putain, pourtant, vu comment t'es bavard, s'il y a quelque chose dessus qui gêne, ça doit être fondu là depuis. Hein. Tiens, là j'ai mangé le petit gâteau que j'ai mangé là tout à l'heure. Alors c'était un petit gâteau noix de coco et ananas. Oh, c'est bon ça. Où c'est tombé là? Et puis,
pour mon étude. Alors, tu verras, là. T'as. Ouais, ouais, ben c'est pareil, hein. C'est, t'es passé de 9 à Santiago 1 de mon côté, hein. La vache. Et pourtant, je vois, tiens, au niveau des bruits de bandes là qu'on entend, ça continue à passer pareil des deux côtés, hein. Je suis toujours là. Ah, une autre station. Gilles, arrête de doucher ton décalage en fréquence. T'es rendu là. Ah, moi je suis toujours là en tout cas. Non, non, en tout cas, mais c'est vrai que là, là, je t'avais un petit peu perdu, c'était passé très, très QRP, et j'ai cru un instant que c'était à quelqu'un d'autre que tu parlais, là, parce que c'est vrai que j'avais pas tout compris. Hein. Quoique, pas tout comprendre, c'est normal chez moi. Oh, ça sent encore une vidéo de 3 heures. Là, ouais. Et oublie pas de me dire à chaque fois combien de morceaux de vidéo tu m'envoies. Moi, ça me rendra bien service. J'ai eu de la chance que ce matin, enfin ce matin pour moi, t'étais pas encore couché, quoi. Là, pour me dire ça, parce que sinon j'aurais attendu longtemps, hein, vu que je sais pas combien t'en envoies à chaque fois. J'ai pas du tout QSL. Tu m'arrivais avec un signal de 1, un demi-point, et radio de 2, 3. Quoi. C'est, ça a complètement chuté. Là. Ce qui fait que du coup, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. En plus, je crois qu'il y a une station qui s'est collée en AM. Là. Ouais, il y a une station qui s'est mise en AM. Bon, j'ai une porteuse AM, Gilles. Là, ça passe plus du tout, là, de mon côté, hein. Ah, ça y est, oui, QSL. Donc oui, voilà, pendant que ça passe, tu me disais quoi pour le serveur? Oh putain la vache, j'ai... désolé, mais... bon, c'est passé un petit peu plus fort, mais j'ai rien compris. Normal, j'avais pas mis millimètres. Bon, c'est pas grave, tu me diras ça sur Messenger. Oui,
Non. Enfin, j'ai entendu gazouiller, mais c'est tout sans plus. Oui, Gilles, du coup, soit tu m'arrives trop QRP, ou alors j'ai une porteuse qui s'est mise en AM, qui m'arrivait avec un bon signal, on va dire. Tu me disais quelque chose au niveau du serveur, mais j'ai pas compris là du coup. Eh oui, il y a du monde derrière. Eh oui. Évidemment, on a eu ça aussi. Et je l'ai en direct. Oui, Sébastien. Oui, tu étais du mieux en contact tantôt, là. Sinon, je pense que c'est quelque chose qui est rappelé. Bon, je suis passé de deux côtés. Mais on l'a repoussé un peu plus tard dans la journée, sinon ça ira demain.
quand les routes vont être définies, donc mon entrée, là, j'ai un petit niveau d'aide, hein. C'est, me dire, c'est le bout de la marde. Fait que, donc, juste le saluer, Gilles, toi, puis tes contacts, puis avec qui t'es en contact. Alors, sur ça, mon microphone, Gilles, à ton écho. Il a tombé ici, là, que je dirais, ça fait plus chez vous, là. Mais ici, ça a commencé hier, vers 14h30, 5h. Et puis, ça n'a pas non plus donné. Il a tombé ici, entre 5 et 14h30, aller jusqu'à 6h30 à matin. Je suis sorti pour privilégier mon entrée, les arbres et tout, puis sortir les voitures. Et puis, la machine pour la laine s'est passée dans la rue, dans la et puis il ne pouvait pas prendre la route pour aller au travail. Alors on a sorti le point, on a mis ça sur le cartable, on a posé la bande de laine, c'est parti de la rue. Oui, oui, c'est bien là, c'est un Toyota divisé en Pontiac, là. Et puis, traction avant. Les pneus d'hiver sont limites, là, depuis la dernière année. Et puis, si j'avais mon, quand j'avais mon SUV, mon 4x4, là, mon Acadia, ça n'aurait pas dérangé, là. C'est un vrai teint que l'Acadia. Mais là, avec le petit Pontiac, là, oh! Ok, Gilles, je ne dérange pas depuis longtemps. Puis, je retourne, puis je suis le tour de la 14 et un peu partout. Il a dit, hey, à matin, il y a du monde partout. Je suis sorti de Saint-Saëns en montant, là. C'est tout, je connais tous les 5 pilotés qui viennent tout très tôt. Mais tant mieux, là. Il y a du monde, puis il y a de la bonne propagande. Ok, Gilles, alors, je te retourne le microphone. Les 73 André de Rémy. Oui, vas-y, la station 14. Oui, André, les 73-51 de Rémy, 14 km 33-01, Dandy 33. Ah, Dandy, avec my God, enfin, on se rend compte que c'est sur l'air, et au fond, via Facebook ou toutes ces patentes-là. Ok, Dandy. Bon, ben écoute, j'ai heureux de t'écouter. Et puis, il y a dit que t'as dit aussi, il fallait le faire, Oui, c'est ça. Et puis, ben, my God, c'est quoi ton équipement, micro, antenne, tout ça, là, pas micro. Ok, merci. Ben moi, je t'entends bien tous les jours. Hein. Remarque, une station comme toi, si tu passes pas sur la 14, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est qu'on aura carrément éteint le soleil pour plus que les ondes portent. Hachi. Alors donc, l'équipement, eh ben, comme tu le vois, tu peux le voir dans mes vidéos, ben, c'est un Yazoo FT450AT. Donc, un peu un bon petit décamétrique que j'ai déjà depuis 13 ans, oui. Oh oui, ça va bien faire 13 ans que je l'ai. Au niveau antenne, je suis sur une antenne verticale, une Sigma Mantova 8, qui n'est pas très haute, hein, elle est à 9 mètres de haut. Donc, par rapport aux arbres qui sont autour, eh bien, faut bien que j'ai la meilleure ouverture que j'ai, on va dire, c'est vraiment vers l'ouest. Donc, avec la propague de Québec et tout ça et tout. Alors que de l'autre côté, du côté est, nord-est, est, sud-est, j'ai énormément de mal à sortir des stations. Là, pour t'expliquer un petit peu la configuration, là, comment je suis ici. Tout ça pour dire que je suis dans un trou, dans une cuvette. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Donc, Yazoo FT450AT, Mantova 8, qui est à 9 mètres de haut. Voilà pour les conditions de travail. Oh, okay.
ça, mais j'ai caché, il y avait une directionnelle, une verticale, puis il y a 50%. Puis là, en dernier, ben, il est passé, Ouais, c'est le Brésil qui nous a perturbé là. Je crois que ça va se terminer comme ça. C'est en train de plonger. Et un peu plus tard, là, il est 16h45 presque. Et là, d'ici un moment, tac, ça remontera. Ah, ça va mieux sans le web SDR là ce coup-ci. André, excuse-moi Gilles, André, est-ce que tu connais des groupes naturistes sur le parc de Oka?
Ah zut. Bon, ben c'est raté pour l'effet que je voulais faire. Bon ben voilà. Donc là, 16h45. Ah, aujourd'hui, là, ça chute plutôt. Et là, bon, je vais couper la vidéo là. Je vais commencer à travailler. Mais je vais rester en stand-by comme ça dessus, hors vidéo. Parce que là, je suis sûr que là, ça va remonter là dans pas longtemps. Ces jours-ci, vers 18h, 18h30, ça repassait à nouveau comme il faut. Début de soirée, tout ça repassait à nouveau.